RTBFM, l'interview du jour. RTBFM, je suis avec Marc Chaume, président du Lions Club de Carpentras, qui organise dans quelques jours l'événement phare du club. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, Marc Chaume ? Oui, bien sûr. Donc, le 16 février, à la salle du Château d'Eau à Monteux, le Lions Club de Carpentras donc, organise son super loto annuel, sachant que cela fait 2 ans qu'il n'a pas eu lieu. Ce loto sera doté d'une valeur de plus de 15 000 euros de lot, avec, entre autres, comme gros lot, un scooter, un voyage pour 2 personnes d'une valeur de 1 200 euros, un téléviseur et bien d'autres lots, sachant qu'il y a aussi des bons d'achat chez les commerçants, des bons d'achat chez nos partenaires. Le loto démarra à 20h30, mais je crois que les joueurs sont invités à venir un petit peu plus tôt. Oui, en effet, comme c'est un loto qui n'avait plus eu lieu depuis 2 ans, eh bien, nous nous attendons à avoir beaucoup de monde. Donc, nous avons décidé d'ouvrir les portes à partir de 18h30, sachant que pour les personnes qui arriveront de bonne heure, donc vous aurez la possibilité d'avoir à manger et à boire sur place. Et il vous sera offert une coupe de bulles. C'est très gentil, merci beaucoup. La soirée va bien commencer. Ce loto est organisé dans quel but ? Eh bien, les bénéfices de ce loto vont permettre de financer toutes les œuvres sociales du Lions Club et aider de nombreuses associations, des personnes donc démunies et dans le cadre aussi d'associations sur le handicap au niveau des SDF ainsi que toutes les causes que le Lions Club défend. Merci Marc et à vendredi. Merci beaucoup et venez nombreux à vendredi à partir de 18h30. Nous vous attendons. Merci.